Nous célébrons ta force, ta vie, Luc Koulula. Une émotion qui est tellement grande, énorme, fort de nous, parce que Luc, il a été un grand symbole dans ce mouvement. Luc, il a été un inspirateur. Luc, il a été quelqu'un qui pourra éveiller toute une jeunesse parce qu'il avait des capacités pour faire un tel boulot. Aujourd'hui, parce que Luc n'est pas là, je pense que nous avons perdu quelqu'un qui a été trop utile pour que cette jeunesse d'aujourd'hui puisse s'éveiller et commencer à combattre les antivaleurs que nous observons dans notre pays. Et donc c'est le pays qui vient de perdre, c'est la jeunesse qui vient de perdre, c'est la lucha qui a perdu. Ah oui, tout à fait. Vraiment, je continue encore aussi à lui plaire parce qu'il est lui qui était tout pour moi, si je peux le dire. L'été, il représentait vraiment une grande chose dans ma vie. Et aujourd'hui, si je suis en train de pleurer parce que Luc, c'était mon idole. Normalement, je croyais que sans Luc, je ne peux pas vivre. Mais aujourd'hui, je continue à demander le bon Dieu de me donner la force de vaincre et de comprendre normalement les moments qui étaient arrivés. Parce que si c'était pas peut-être, si Dieu ne voulait pas, peut-être on ne pourrait pas perdre Luc. Mais je sais que Luc va continuer la lutte là où il part. Luc, pour nous là, selon moi, pour moi, c'était un type modèle. Un diplomate qu'on a connu dans le mouvement Lucha. Un homme d'action, un homme soucié de tout le monde. Il ne voulait pas même faire la discrimination. Il voulait parler avec tout le monde tout en souriant. Luc, personnellement, je ne dirais pas que c'est seulement la Lucha qui a perdu, mais je dirais que c'est notre pays qui a perdu, voire même l'Afrique en général. Chaque Congolais doit être respecté d'abord en tant qu'être humain. Oui, c'est toi. Wangui.